Aujourd'hui, le numérique, c'est tellement puissant que, bien sûr, l'État s'y intéresse et, pour des raisons d'efficacité, bien numérise tous ses services. Alors, c'est les impôts, c'est Parcoursup pour les étudiants, c'est la récupération de votre permis de conduire, etc. Donc, techniquement, c'est très intéressant. Cependant, ça pose la question de l'appropriation de tous ces services. Aujourd'hui, une partie de la population n'a pas les capacités ou n'a tout simplement pas envie d'utiliser Internet et autres pour déclarer ses impôts. Et là, ça pose un vrai problème de choix. Certes, c'est puissant, pour l'État, c'est efficace, mais il n'y a pas, à mon sens, de vraie raison d'obliger des personnes, des citoyens majeurs, responsables, à forcément passer par ces services et à ne plus leur proposer un interlocuteur humain à un guichet. Donc il y a une vraie réflexion à faire au niveau de l'État, mais aussi des communes et des collectivités pour garder l'accès humain aux services de l'État.